Nous voulons prendre possession de tout ce lieu et nous
parce que tu es là avant nous. Béni sois-tu, parce que tu as tout planifié. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un me répond Amen très fort. Verset 1 au verset 6. Il est dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Amen. Amen. C'est une très belle histoire qui va nous conduire ce soir à secouer Satan dans le feu. De quoi s'agit-il dans cette histoire? Je sais que vous avez déjà entendu parler de Paul. Paul était un juif qui, au commencement de sa vie, n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et donc, ce monsieur s'était donné corps, âme et esprit à combattre tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et quand tu te décides de faire palabre avec ton frère, Dieu peut te défendre. Mais quand tu te lèves contre Dieu, il n'y a personne pour te défendre. Et donc ce Paul-là, ne sachant pas qu'en poursuivant ceux qui avaient accepté de marcher avec Christ, c'était comme Dieu qu'il avait affaire, un jour dans tout son zèle de poursuivre les croyants, il a rencontré Dieu sur son chemin. Et Dieu a décidé de faire de lui un instrument. Ce soir, je souhaiterais, en tout cas mon vœu pour toi, que tu deviennes un instrument de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu es ou quel que soit ce que tu as déjà été, que tu rencontres Dieu vis-à-vis et que tu deviennes son instrument au nom de Jésus. Amen. Et donc ce Paul a décidé désormais de travailler pour Dieu. Et c'est dans cette logique-là que sa vie va être menacée. Il a été attrapé plusieurs fois pour être mis en prison parce que parlant de Dieu partout, amenant les hommes à la réalité de ce que Dieu aime tout le monde, Dieu ne fait exception de personne. Dieu offre son amour gratuitement. C'était ce que Paul faisait de ville en ville. Et il a été attrapé, mis en prison, frappé par moments, jeté hors. C'est dans cette logique que Paul, étant prisonnier de Jésus-Christ, a demandé à aller à Rome. Les hommes ont pensé que c'était dans l'objectif d'aller croiser l'empereur qui était là-bas. Mais le premier objectif de Paul, c'était d'aller annoncer encore Jésus-Christ là-bas. Et
tu ne peux pas prendre la décision d'aller parler de Dieu, et bien Dieu va empêcher que tu arrives là où tu dois aller. Amen. Quand tu prends la décision pour Dieu, Dieu fait tout pour que tu arrives. Amen. Et c'est sûr, je sais que tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Ce qu'on appelle un naufrage. Ils n'ont pas écouté parce que simplement, c'est un prisonnier. Qui peut écouter un prisonnier? Qui peut donner de la valeur à quelqu'un qui est enchaîné? Personne! Ils ne l'ont pas écouté et ils ont pris le bateau, ils ont commencé à partir. Et malheureusement, ce que Paul avait prédit qui devait arriver, arriva. Un grand vent est venu, commencé à frapper contre le bateau. Mais le même Paul va être l'instrument qui va annoncer à tous ceux qui étaient dans le bateau, les chefs comme les prisonniers, que restez tranquilles. Parce que mon Dieu s'est révélé à moi pour me dire, personne ne mourra. Nous allons arriver à bon port. Quand Dieu donne une révélation, c'est afin que ta vie connaisse un changement. N'aie pas peur. Que ce soit les mauvaises nouvelles qui t'ont été bien données, la bonne nouvelle de Dieu. Et cette semaine, c'est ta semaine de bonne nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens avaient peur pour dire restez tranquille. Personne ne va mourir. Et Dieu a permis qu'ils arrivent vraiment sur une île. La Bible nous dit l'île s'appelle Max. Mais ce qui est intéressant ici, quand ils descendent du bateau, ils avaient tous froid. Parce que ce qui s'est passé était tellement violent. La peur était encore dans le cœur. Mais en descendant, ils trouvent un peuple. Un peuple qui a été nommé les barbares. Les barbares, c'est tous ceux qui ne parlent pas juif, que les juifs appellent barbares. Et donc, ils ont trouvé ces personnes-là au bord de l'eau. Et quand les gens les ont vus, ils sont allés rapidement faire un grand feu parce qu'ils savaient qu'ils avaient froid. Et Paul et tous ceux qui étaient avec Paul sont descendus, ils sont allés vers le feu. Quelle hospitalité de la part des barbares! Quelle hospitalité ou encore quelle fraternité des gens qui ne connaissent pas! Mais attention, le diable n'aime pas quand il y a fraternité. Il y a l'hospitalité. Le diable n'aime pas quand les gens sont en joie. Le diable n'aime pas quand il y a la tranquillité quelque part, quand il y a la paix quelque part. Il va toujours susciter une situation pour perturber notre tranquillité. Il va toujours susciter une situation qui va toujours venir détruire ce qu'on avait comme paix. Regardez, quand les gens étaient au bord du feu, quand les gens étaient plutôt. Paul s'est levé, il allait prendre de la broussaille pour venir mettre dans le feu pour que le feu soit un peu plus allumé pour les aider à récupérer. Et à sa grande surprise, la broussaille qu'il prend, voilà une vipère qui se trouve derrière. Le diable envoie toujours une situation pour perturber notre tranquillité. Les gens étaient assis, ils causaient, ils riaient, j'imagine. La causerie est terminée. Les gens sont paniqués. Ah, c'est quelle vipère qui peut être sur le bras de quelqu'un. Les gens ont commencé à fuir de partout. Ce soir, toutes les vipères que le diable a préparées pour perturber ta tranquillité sont écrasées au nom de Jésus-Christ.
plateau. Il y avait même les barbares qui étaient déjà là. Mais la vipère n'a pas vu les autres personnes. La vipère s'est retrouvée sur le bras de qui? Mais pourquoi c'est sur le bras de Paul que la vipère se retrouve? Vipère esprit. Paul n'est pas n'importe qui. Remarquez que quand j'étais dans le bateau, c'est Paul qui a donné la révélation qu'il n'aura rien, personne ne va mourir. Yes. Le bateau peut se déchirer, mais aucun être humain ne va mourir. Paul est un homme important. Quand tu es important, c'est toi que Satan cherche. Il a échoué. Il a quoi? Il a échoué. Si tu n'es pas important, personne ne va te critiquer, ma soeur. Si tu n'es pas important, ils ne vont pas lutter pour chercher à te tuer. Yes. C'est parce que tu es important. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, oui, tu es important et tu seras toujours important. Tu es important. Je suis important. Laisse-le parler. C'est parce que tu es important. Yes. Et Dieu va toujours utiliser la stratégie pour te lever davantage. Remarquez bien que quand la vipère a emballé le bras de Paul, est-ce que Paul a eu peur? Est-ce que Paul était effrayé? C'est ceux qui étaient autour qui ont commencé à parler. Lui là, c'est un mauvais. Il devait mourir dans la mer. Mais il n'est pas mort là-bas. C'est pourquoi Dieu le poursuit encore. Frère, soeur, quelle que soit la situation qui se présente à toi, n'aie pas peur. Il a secoué la maladie qui te fatigue, tu fais secouer.
C'est là qu'il va plus t'aimer.
Tenir jusqu'au bout. Yes! Et puis,
dessus. Toutes les vipères sur ton chemin vont te terrasser. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta position sociale, le diable, il s'en fout, il ne respecte personne. Quand le diable veut venir dans la vie de quelqu'un, tu peux avoir des milliers en compte, mais le diable est le maître de ta vie. La session déjà déclaré que toi, le dernier jour de l'année,
ne pas rater. Ne donne pas victoire au diable. Il a déjà échoué. Jésus a déjà déployé le diable de son autorité. Tout ce que vous voyez, ce n'est qu'un pistolet en caoutchouc. Il ne peut plus te tuer. Jésus a payé le prix pour cela. Payé le prix de ta vie. La gloire vient te donner à Jésus. Je compte jusqu'à toi. Et nous allons prier pour ceux qui sont là. Maintenant, tu ne répètes plus, je vais prier pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Ce soir, voici tes enfants. J'ai écouté ta parole. Ils décident de marcher avec toi. Toi, tu les connais. Tu sais ce qu'ils ont fait. Qui n'a pas été à la gloire de ton nom. Tu sais ce qu'ils ont fait, qui les a éloignés de toi. Mais ce soir, tu dis, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Ta grâce et ta miséricorde s'ouvrent à eux. Reçois.
reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, que leurs noms soient inscrits dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix nettoie leur vie. Là où le diable est tenu captif, libère-les, Seigneur. Parce qu'ils veulent marcher avec toi. Ils veulent repartir à zéro avec toi. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Je vais prier. Si quelqu'un, à cause de son égarement, le diable le tient captif en cette fin d'année, que le pouvoir du diable tombe, 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 nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est détenu dans une prison spirituelle, à cause de son égarement, ce soir, que toute la chaîne de cette prison soit brisée, son âme soit libérée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta faveur et ta grâce les accompagne. Que ta faveur les accompagne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Retournez à vos places. Que Dieu bénisse.